association qui a été créée en 1958. Nous sommes membres de la Fédération française des chiens guides. On regroupe 12 écoles en France. Nous avons deux sites d'éducation. D'importance capitale hein, dans le cadre de la chaîne de solidarité qui assure le fonctionnement de ce type d'école et deux, ne nous le cachons pas sur l'aspect financier puisque ce type de partenariat permet d'économiser la part du don sur notre budget de fonctionnement. Ça apporte aussi de la visibilité puisque par ce biais du partenariat on peut aussi sensibiliser les collaborateurs de l'entreprise. Bon, on peut aussi parler de valeur, ça nous crée une certaine forme de synergie entre les collaborateurs de l'entreprise et les nôtres et on partage les mêmes valeurs d'entraide et de générosité. Le premier changement m'a permis de retrouver mon autonomie, de me déplacer, de refaire mes courses, les petites courses, sans demander à d'autres personnes. Avec un chien guide, on l'emmène partout. On vit 24 heures sur 24 avec le chien guide et surtout, on est très, très fusionnel. Une présence tous les jours et un guidage dans la rue qui m'évite bien des obstacles en sécurité, quoi. Et puis, vraiment un bon compagnon pour le reste de la journée. Alors le matériel a une très grande importance, en fait ça nous permet par exemple entre la personne et le chien d'avoir une communication et une interaction. Tellement du bonheur de les voir et de voir le bonheur qu'apporte le chien aux déficients visuels, c'est vraiment merveilleux. Rendre service, disons, aux non-voyants, parce que pour eux c'est leurs yeux, quoi, les chiens guides d'aveugles. Toute une satisfaction de rendre service à d'autres personnes. Avec le savoir-faire que nous avons développé, nous souhaitons contribuer à la cause animale et à la place qu'occupe l'animal dans notre société. Personne ne peut être exclu de la vie collective au prétexte que sa mobilité est réduite. C'est une exigence avec laquelle nous ne pouvons transiger. Pour cela, nous nous sommes associés au chien guide aveugle du centre Paul Corteville.